bien, salut tout le monde, c'est Funny Zemildo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play, une nouvelle vidéo donc sur Fallout Shelter, donc qui est un jeu qui est sorti le 29 mars, si je ne dis pas de conneries. Donc c'est tout simplement, j'ai vu un peu la bande-annonce, je n'ai vu aucun tuto, je vous assure, je lance cette vidéo comme ça. Je viens juste de télécharger le jeu, il est gratuit sur Steam, n'hésitez pas à aller le prendre, ça a l'air plutôt sympa. C'est un jeu de système de tout simplement de... à la Fallout, sauf que c'est dans son abri et le c'est un système où faut gérer un peu son abri. On va découvrir tout ça ensemble parce que je n'y ai pas encore joué et je pense qu'on va partir sur une petite série dessus. Alors aussi les amis, je suis désolé pour l'absence des vidéos, donc ça fait 2 semaines, je sais, je suis vraiment désolé. C'est que en ce moment j'ai pas trop le temps de filmer et bon là je vais vous lancer un petit let's play pour vous faire patienter Golden Aurore et tout ça. On y travaille. Voilà, soyez patients. C'est parti. Voilà, donc, enfin oui, bon, bien évidemment, vous devez maintenant choisir le nom de votre abri, réfléchissez bien, car vous ne pourrez pas en changer par la suite. Alors, comment peut-on appeler notre abri? Allez, hop, 698, Lyon, voilà, 6900, créer l'abri. Voilà. Félicitations, Voltec vous a choisi pour être le nouveau superviseur de l'abri 698. Les abris protègent leurs résidents des nombreux dangers des terres désolées. Voilà. Donc je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs qui ont encore fait de vidéos dessus. Je n'ai pas regardé, je vous dis, j'ai lancé comme ça. Donc le rôle du superviseur est d'entretenir l'abri, de le faire... Merde. Merde. D'accord. Chaque salle met un attribut spécial à profit affecté des résidents. Adapte. Ah, Voltec attribuera une note quotidienne à vos performances. Bonne chance et n'oubliez pas le bonheur des résidents avant tout. Pas de soucis. Patientez. Donc voilà, les coups critiques peuvent changer. Donc oui, hein, y a un peu de combat. Donc c'est pas du tout. C'est pas du tout du Fallout 4. Je vous préviens. C'est comme laisser avec ça. Voilà, donc je n'ai jamais joué. Bienvenue dans votre nouvel abri, superviseur. Nous allons voir les principes de base ensemble. Ok. Astuce, commençons par construire une salle, cliquez sur l'icône de marteau pour ouvrir une construction, menu de construction. Donc générateur, affecter des résidents ici pour produire de l'énergie, donc force, il en faut encore. Construire, donc on peut nous construire, astuce, vous pouvez placer vos salles sur des zones constructibles, confirmer l'emplacement en cliquant sur la... Ok, donc ouais, on va mettre notre générateur ici, voilà. Donc, nous avons maintenant besoin de résidents pour faire fonctionner le générateur. Ça m'étonne pas. Regardez, de nouveaux résidents sont apparus à la porte de l'abri. Ok. Donc, regardons un peu les stats d'un résident. Cliquez sur le résident pour afficher des informations le concernant. Donc, bonjour toi. Donc, 50%, c'est-à-dire quoi ça? Les stats spéciales des résidents vous indiquent comment les utiliser le plus efficace possible. D'accord. Pour assigner un résident, cliquez dessus et maintenez pour le faire glisser jusqu'à la salle choisie. Essayez donc d'assigner ce résident vers le générateur que vous venez de construire. D'accord. Donc ouais, donc voilà, on peut le déplacer et on va l'assigner ici. Donc voilà, il va rentrer. La belle Fallout. Je vais juste voir ses stats. Puis, non, je ne peux plus voir ses stats. On va le mettre là aussi, du coup. Non, mais rentre. Je ne peux plus voir ses stats. Bon, ce n'est pas grave. 52%. Le smiley n'est pas content. Ça, c'est notre argent. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est nos deux résidents. Voilà. Donc, maintenant que les résidents sont à l'œuvre, la salle va produire des ressources. Double cliquer sur une salle pour l'examiner. C'est un peu la fatigue en ce moment. Donc, oui. Voilà. Donc Marilyn et Kevin. Si vous manquez de ressources, vous pouvez utiliser le mode rush. Clique sur le bouton rush pour ouvrir le menu rush. Pas logique. Rush. Ouais, mais ça va nous coûter. Ouais, ça va nous coûter. Ça nous coûterait en fait. Je sais pas où. Incident, 32% de chance, récompense. Ah, réussite.
Bravo, vous avez réussi votre premier mode rush et récolté des capsules. D'accord. Donc à ce que je vois, les modes rush, ça peut être un peu... Ça peut partir en couille. Bon, on verra bien. Fast food, affecter des résidents ici. Oui, bon, j'imagine bien qu'il faut bien les nourrir, les pauvres. On va le mettre là. Donc voilà. Hop. Construisons une autre salle. Traitement de l'eau, affecter des résidents ici pour produire de l'eau. Oui, donc exactement, il faut de l'eau. On va le mettre juste là. Vas-y, voilà. Beau travail, voilà, les vivres et de l'eau pour vous lancer, pour vous calmer. Ouais, moi je tourne la vidéo le soir en même temps, je suis un peu fatigué, je vais pas vous le cacher. Pour vous lancer, surveillez les jauges qui indiquent vos besoins de ressources. D'accord, pas de souci. Donc voilà, là on est bien. Regardez, de nouveaux résidents sont apparus à la porte de l'abri. Maintenant que vous maîtrisez des bases, vous pouvez développer votre abri. N'oubliez pas, un bon résident est un résident heureux et vivant. Bonne chance. Merci à toi. Je sais plus comment. Ah oui, voilà. Donc on est content. Tout va bien. Hop. Voilà. Donc Tiffany Henriquez. Spécial. Force, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité, lance. Écoute, toi on va te mettre à la cuisine parce que j'ai besoin de gens à la cuisine. Je suis désolé. On va travailler. Donc, voilà. Tiffany, tu pars. 50%. Donc toi, t'es bon à quoi? Endurance, charisme, réception. 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 Bon, écoute, toi, on va te mettre en... Ah bah si t'es bonne en réception. Bon, c'est bizarre, c'est comme ça. On va te mettre là. Donc, hein. Voilà. Bon, je suis un peu lent parce que c'est les premières fois. Vous pouvez envoyer des résidents explorer les terres désolées. Pour cela, faites glisser un résident à l'extérieur de l'abri. Et équipez-le. Ouais, on fera ça après. Endurance, charisme, réception, agilité. Écoute, toi, on va te mettre à la cuisine aussi. Ouais, à la cuisine. Alors, toi, t'es bon, quoi? T'as l'air d'être agilité. Oula, lui, il est pas mal. Les résidents avec les stats spéciales chance, élevé, réussite, mieux les rushs, remporte plus de capsules de production. D'accord. Donc toi, où je pourrais te mettre? 1, 0, 3. On va le mettre à la cuisine aussi. Allez! Tout le monde à la cuisine! Ah. Remplissez les objectifs de gagner des capsules pour les afficher. Clique sur l'icône. Ok. Pip boy, j'irai voir après. Réception, alors du coup on va aussi te mettre à la réception. J'imagine que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il va nous falloir des gens pour le traitement de l'eau, parce que sinon on est mal barré. Alors, le multi-bonne, hop, récupérer. Améliorer le niveau de un résident, réussir un rush dans dans une salle, envoyer un résident dans la terre des oeils. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, d'accord, ok. Améliorer vos salles de production pour produire plus de ressources pour... D'accord, donc il faut qu'on clique sur la salle, qu'on l'améliore. Donc améliorer 250 capsules, détruire, bon, on va pas le faire. Plus 20 capsules, donc 250, c'est parti. Voilà. On va faire un petit rush. Attention, ça sent le carnage. Réussi. Pas d'explosion, magnifique. Terminé. Hop. Vous avez remporté une boîte à sandwich. Sélectionnez l'icône correspondant le menu Pip-Boy pour l'ouvrir ou en acheter d'autres. Donc alors, boîte à sandwich. Ah, oula. Oh mon dieu. Waouh. Une tenue de soirée. Des capsules sans. Parfait. Et oula. Bric-à-brac, scotch militaire. Ah, ça va peut-être nous être utile. Vivre. Plus 50. Magnifique. Richard Pratt, résident spécial. Il a l'air pas mal. Foutu. Voilà. Ah, la boutique. Non, c'est pas ce que je voulais. Ça, c'est génial.
C'est magnifique. Alors. Voilà. Tout a l'air bien. La salle fusionnée peut accueillir plus de résidents et produire davantage. Deux secondes les amis, je reviens. Ouais les amis, donc petite coupure assez rapide. Donc là j'ai fait évoluer quelques personnes, on a amélioré la salle. Donc construisez ou améliorer des réserves pour obtenir plus d'espace de stockage. Oui, on va faire ça après. Donc alors, on a des nouveaux résidents. Ça c'est parfait. Donc intelligence, agilité, on va voir où on peut te mettre. Hop. On va mettre là. Le dernier place libre de votre abri vient d'être occupé. Construisez plus de quartiers. Ok, donc on va construire des quartiers. Quartier. Voilà, construire. Juste ici. Magnifique. Magnifiquement de plus. Les hommes et les femmes qui se rencontrent dans les quartiers ont des chances d'avoir des bébés. Alors ça, ce serait nickel. Nickel, j'ai rien à dire. Parfait. Hop, voilà. Niveau bouffe, on est bien. Eh bah putain, Richard Pratt. Réception, charisme, on est bien. D'accord. 9, ouf. Oula, il nous le faut ici. Toi, qu'est-ce que tu veux? Force, réception, endurance, charisme, intelligence, agilité. Je pense qu'on va te mettre là, toi aussi. Quoi. Construisez deux ou trois salles du même type côte à côte pour se fusionner une salle plus grande et efficace. Ah pour fonctionner normalement, votre abri a besoin d'énergie, de vivres et d'eau. Si les ressources viennent à manquer, les jauges en haut de l'écran virent au rouge. Pénurie d'énergie, les salles se désactivent. Pénurie de vivres, les résidents tombent malades. Pénurie d'eau, les résidents deviennent irradiés. La ligne qui apparaît sur les jauges... Ok. Pour continuer. Ah, là c'est l'eau. On va devoir faire un... Non, pas besoin de faire un rush, ça ira. En attendant... Ah oui, j'ai débloqué une caisse pendant la coupure aussi de la caisse à la boîte à sandwich. On va l'ouvrir tout de suite parce qu'on a un manque d'argent. J'espère avoir des capsules, ce serait cool. S'il vous plaît. Voilà, donc c'est parti. Ah, ça commence bien. Une montre en or. Bric-à-brac. Capsule. Nickel, ce que je voulais. Pyjama, l'eau, de l'eau, bah nickel, voilà. Et des capsules x500, on est bien, putain, les amis, là, on est refait. Là, bon, nickel, pas rien à dire, bon, j'y touche pas. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On va tout de suite... traitement d'eau. On va mettre un deuxième générateur. Construire juste voilà. On va voir s'il y a des gens qui sont arrivés, nickel. Que demander de plus? Oh, écoute la petite, on va te foutre ici parce que on a besoin de gens. Voilà, nickel. On va faire un autre quartier. Juste là. Ouais, voilà, nickel. Regardez ça, c'est parfait. Donc il faudrait juste qu'on se fasse un peu plus de place, c'est sûr, comme ça. Voilà. Un peu plus de place. On va refoutre un niveau pour l'eau et la nourriture juste là. Ce serait vachement cool. Donc ça, on va pas y toucher, on n'a pas besoin. L'électricité va nous en falloir. Il va falloir pomper l'électricité à mort. Alors... Électricité s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les déplacer comme ça? Ouais non. Ils vont se démerder. Alors on va attendre des nouveaux gens qui arrivent parce que ce serait cool. On va expédier quelqu'un. Allez toi, on va t'expédier. Hop. On n'a rien pour toi, ma belle. Explorer.
Pensez à équiper vos résidents avant de les envoyer. Ok. Ouais, mais j'ai pas, j'ai rien pour vous équiper. Désolé. Allez hop, va nous chercher des choses, ce serait cool de ta part. Donc voilà, donc un succès déverrouillé, terminé. Boum, des capsules, des capsules, des capsules. Un nouveau résident, parfait. Qu'est-ce que tu sais faire toi? Endurant 67%. On va te foutre à la salle des machines vu qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour la jeune femme là-bas. Il y a un mec qui est tout seul. Il est ici. Salle débloquée. Ah, j'ai débloqué une salle. Ah, l'électricité, c'est ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Traitement de l'eau. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Ah, débloqué salle. Réserve. Augmente le nombre d'objets et d'animaux que vous pouvez posséder. Ah, ça, il nous le faut. Alors, où est-ce qu'on va mettre la réserve? Je pense qu'on va la mettre là. Ouais. Pas une mauvaise idée. La salle de stockage augmente la taille de l'inventaire de votre abri. Ça, c'est bien. Franchement, ce petit jeu, il a l'air sympathique. Je pense qu'on va bien s'amuser dessus. On va améliorer cette salle. Améliorer... Aïe, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, les amis. On va faire un petit rush. Attention. On prie pour pas qu'il y ait un incendie. Aïe. Merde, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Ouh. On a frôlé la cata. On recommence. On prie. Yes. Bon, on a frôlé la cata, les amis. Putain. On est une petite bande de chanceux. Oh là là. Alors. Pour accéder à la liste des quêtes, vous devez d'abord construire le bureau du superviseur. Alors. Ah, je n'ai pas tout ce qu'il me faut, on le sait bien. Traitement de l'eau, donc non. On va refaire un générateur, franchement. Allez, soyons fous. Hop. Gueule. On a besoin de générateur. Donc voilà. Ah, un nouveau résident. Parfait, toi. Tu tombes bien. Ou pas, je sais rien. Où on pourrait te mettre? On va te foutre au générateur de... Non, il nous faut... C'est quoi cet endroit de... Attends, reste là, reste là, reste là. C'est quoi ça? Quartier. Ouais, c'est un quartier, donc. Écoute, on va te mettre au quartier. Parce qu'on veut un peu des... Non, il faut que tu travailles. Va travailler. Charge-toi de là. Du coup... Pourquoi ils sont pas contents, là, les autres? Comment ça, vous êtes pas contents? Jamais contents. Faut savoir, hein. Nous on vous accueille, on vous nourrit, blanchit. Oh, nom de Dieu. Bon, écoute, toi là, viens. Je vais te mettre ici avec lui. Comme ça, tu auras un peu de compagnie. Voilà, reproduisez-vous, faites des gosses. Ne vous sentez pas obligé. Donc on a 13 résidents. Il y en a une qui est partie, elle est toujours pas revenue. Ça m'intrigue. J'espère qu'elle n'est pas morte. Je vous avoue que ce serait un tout petit peu con. Est-ce qu'on tente un rush? Ça sent le carnage. Allez. Ah, pack de démarrage, vol. Oula. Eh ben ça a marché. Que demander de plus? Ouais, alors ça augmente les chances de brûler là. C'est une mauvaise idée. Ok, alors, hop. Votre abri manque de résidents, affectez des couples aux questions, laissez faire la nature. Si vous voulez. Si vous voulez, moi j'ai jamais dit le contraire. Donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Pourquoi qu'est-ce qu'il y a à vous? Générateur. Qu'est-ce que vous avez? Rose. Ah! D'accord, ok. Je vois. Viens là. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait monter le niveau. Voilà. Exactement. Bon, ils sont négatifs un peu, hein. Je suis pas très content de vous, hein. Vous voulez pas faire des choses, vous deux? Personne n'est content ici ou ça se passe comment? Allez, hop, niveau up, toi aussi. Voilà. Donc c'est une petite gestion, ma foi sympathique. Donc c'est quoi ça? Ici, vous pouvez gérer vos armes et vos tenues. Okay. Stockage, tenue. On en a deux. Bric-à-brac. Le bric-à-brac sert à fabriquer des armes et des tenues. Animaux, j'en ai pas. Voilà. J'en ai pas. J'en ai pas. Il nous faudra un peu des nouveaux gens, s'il vous plaît. Étant donné que... Bon. Donc attends, récolter 50 vivres, pas de soucis. Récolter 50 doses d'eau, ça nous donnerait une boîte à sandwich, ce serait cool. Vendre une arme ou tenue. On va vendre une tenue. Où c'est déjà? C'est ici. Une tenue. Hop. Tenue de soirée, pyjama. Ok. Vendre. Voilà. Exactement. Ce qu'il nous faut, c'est la récompense. Terminé. 25 bouchons. Alors, allez hop, manger, buvez. On va pas faire de rush, l'électricité arrive bientôt. Et je vais économiser pour améliorer cette salle. Parce que ce serait ma foi très bien de... De pouvoir tout simplement... Ben bon. Non, c'est bon, dégage. Envoyer des résidents dans les terres désolées pour qu'ils... Ouais, c'est bien de me dire ça, mais j'en ai envoyé. Et ils sont toujours pas revenus. Je crois qu'elle est morte. Enfin, je sais pas, elle est toujours pas revenue, l'autre, là. Vous savez, on en a envoyé une au début. Toujours pas revenue. Attends, faudrait peut-être mettre... Attends, t'as quoi toi? T'as du charisme? Non, pas du tout. Et toi? Charisme, hein, aussi. Vous êtes dégueulasse en charisme. Charisme. Toi, dis-moi que t'as du charisme. Non, pas du tout aussi. Charisme. Deux. Charisme. Qu'est-ce que t'as comme charisme toi? Je vous ai tous nuls en charisme en fait ici. Oh toi t'es cool en charisme. Toi. Cool. Ah mais il est cool aussi pour l'eau quoi. Ouais bah non alors on va le garder. Ouais non. Détruisez les rochers pour augmenter la surface. Ouais, bon, ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Déjà que c'est la pauvreté, alors, hein. Bon. C'est pas mal, hein, pour un premier épisode, je pense. Oui, ça suffit. J'espère que ce nouveau let's play vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos avis. Vous me laissez un petit commentaire, un like, et dites-moi si ça vous plaît, tout simplement, les amis. Encore désolé pour l'absence des vidéos, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, les amis!